Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport. Grégoire est toujours habillé par Mondial Sport, leader de l'équipementier au Sénégal. N'hésitez pas à commander en ligne www.mondialsport.sn. Je vous invite à envoyer un message. Si vous voulez envoyer des messages sur WhatsApp, vous allez sur le site, vous commandez en ligne et on vous livre www.mondialsport.sn. Donc, on va parler de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, je suis venu supporter Manchester United pour. Vraiment dédicace à Sarri Boudanfa, Mourou Pouy, vraiment les supporters, Ablaye Fall, les supporters de Manchester United. Donc le Sénégal va vers le Grand Chelem. Grand Chelem même Diom, Cannes 2022, Seigneur, Chan 2022, Cannes U20 en 2023 et Cannes U17. Ça c'est le Grand Chelem. Ben rek mo raté, moi la qualification de U23, d'abord, on n'a pas bien géré nos effectifs. Voilà, Aliou Cissé avec Demon Baye, Dego, une fédération avec Naraou. Malien et renforcer l'équipe d'où nous pouvons tenir. Sinon, on allait réaliser le 5 sur 5, mais on va faire le 4 à la suite. Voilà, donc, pour vous montrer que le football sénégalais respecte une bonne santé au niveau de la moisson des trophées, même s'il y a beaucoup de choses à régler, surtout au niveau local, au niveau infrastructure. Mais félicitations vraiment à, vraiment à l'équipe donc, fédérale aussi, qui a Exo Alpha, donc, qui est au devant de la scène pour mener les équipes vers le succès, le manque au outil d'Amli. Donc Amara Diouf, il était un peu emprunté. Amara Diouf, c'est un coup de mou. Parce que je voulais dire que mes formes. Tout le monde, Mathieu, avec l'agressivité des Burkinabés. Donc Disney, Amara Diouf, il a perdu le match, mais il a réussi son tir au but. Ça veut dire que mentalement, il est fort. Maintenant, Amara Diouf, coup de mou, donc ça peut être naturel. Parce que je vous savez, mais est-ce que vous aussi vous critiquez? Parce que quand même, les critiques sur son âge, est-ce que impactez-vous sur son mental pour que mon monnaie soit à l'aise, si, comme je montre, encadrement, staff équipe nationale avec ses proches, donc pour être donc d'oléel, quand on dit parce qu'il est tout le il est au devant de la scène, critiquez, tel est nous, sur son âge, donc on gagne gagner d'oléel, parce que c'est un joyau à protéger. Donc c'est un joueur qu'on doit protéger. Impérativement. Donc, ça c'est très clair. Donc, vous savez, le Sénégal va jouer face à qui? Face au Maroc. Donc, Sénégal-Maroc, finale, Coupe d'Afrique des Nations U17. Donc, ça sera un match entre pays frères, Sénégal-Maroc, bon, qui a mal une sec. Donc, il n'y a que la paix entre le Sénégal et le Maroc. Donc, ça sera un match, ça sera une fête du football continental. Et comme d'habitude, les finales se jouent en Afrique face au Sénégal et à la fin, c'est le Sénégal qui gagne. Gary Lineker avait dit. Le football se joue à 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Actuellement, les finales en Afrique se jouent face au Sénégal et à la fin c'est le Sénégal qui gagne. Demain, tu l'illumines, moi j'ai gagné une Coupe d'Afrique. Donc, il n'y a jamais 304. Donc, on va aller battre le Maroc et ramener la Coupe à la maison. Amara, Djouvanyo, bye, bégay.